Hello la team, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une recette de tomates à la provençale. Vous allez voir que c'est très rapide à réaliser et ça passe juste super bien en cette chaleur. Donc c'est parti, commençons tout de suite. Alors tout d'abord, on va venir ôter le dessus des tomates et enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va venir mélanger de l'ail avec du persil, de l'huile d'olive. Moi, je mets les doses au pif, donc j'ai pas de dose spéciale. Je rajoute à l'œil. Ensuite, je rajoute bien sûr du pain que j'ai mixé. Je préfère le pain mixé à la chapelure, c'est moins chimique et c'est juste plus bon. Ensuite, on mélange tout ça et je vais rajouter bien sûr mon mélange d'herbes de chez Knorr et un petit peu de poivre. Et ensuite, je remplis les tomates avec ce mélange-là. Rempli, je saupoudre le tout de pain mixé ainsi que d'huile d'olive et du mélange de chez Knorr et j'enfonde tout ça à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Et voilà, c'est prêt, il ne me reste plus qu'à venir déguster tout ça accompagné de grillades ou bien de poissons en papillote. C'est juste une pure dinguerie. Je vous conseille vraiment cette recette, c'est juste de la bombe. Donc c'est vraiment que ça vous plaira. Si vous la reproduisez comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer votre photo via les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très très vite pour de prochaines recettes. Bisous bisous.